Bon, il est temps de repartir. Cette fois-ci, on va pas aller à l'autre bout de l'Europe. On a déjà une si belle région. Tu te souviens quand j'ai troqué une pomme de terre en 6 échanges seulement contre cette enceinte portable? Je pense qu'on peut aller encore plus loin dans ce concept. Si j'ai réussi avec une patate à ramener une enceinte, qu'est-ce que je vais pouvoir ramener avec 50 kg de patates? Oh, je vais pas écouler tout ça tout seul quand même. On va chercher quelqu'un. Regarde, je crois qu'il y a un mec là-bas dans les broussailles. Monsieur, monsieur. Oui. Je vous dérange pas? Bah non. Excusez-moi, vous voulez pas m'aider à échanger des patates? Bah ouais. En gros, on va faire le tour de Bretagne par la côte. Antoine, du coup, t'es d'accord avec moi? On a aucune place dans la voiture. Ah, pas vraiment, non. Essayer de dormir chez l'habitant. C'est ça qu'on aime. Il faut savoir que tous les objets qu'on va récupérer ils vont être revendus. Et tous les bénéfices seront reversés à une association pour les enfants dans les hôpitaux. Cette fois, on aimerait que ce soit une aventure la plus collaborative possible. On voudrait mettre du monde à contribution. Quand on va arriver dans les villes et tout, on va essayer de former des petites équipes de gens qu'on vient de rencontrer, à distribuer des patates partout, à essayer d'avoir un maximum d'objets. Nouveau défi, si vous kiffez le concept, faites tourner ça. Nous on part dès le 5 mars. Si vous voulez nous suivre en direct, abonnez-vous au compte Man vs Sport sur Instagram. A bientôt. Mais en fait, je me demandais, on se serait pas déjà croisé en Bulgarie?